J'ai eu l'impression qu'un jour mon frère m'a dit ça. Et mon frère m'a encouragé en me disant ça. Allez petit, tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux le faire. Pour un ouvreur, quand tu proposes un mouvement et qu'il marche pas comme tu as envie qu'il marche, bah ça te reste dans la tête et puis ça peut vite devenir une obsession. Ça fait peut-être 2 ans maintenant que je prospecte et avec plus ou moins de succès. Ces espèces de coordination sans les pieds. Donc on part sans les pieds, on génère une coordination avec 1, 2, 3, 4 mouvements sans les pieds et sans pouvoir s'arrêter. Donc à chaque fois, utiliser la vitesse que tu génères pour tomber d'une prise à une autre et continuer d'avancer. En gros, une fois sur deux que j'essaie d'imposer ce mouvement, ça marche pas, c'est soit trop dur, soit il s'arrête. Et du coup, j'ai développé une espèce de névrose par rapport à ça, puis j'ai continué de réfléchir à comment est-ce que je pouvais faire marcher ce mouvement. Et arrivé le moment en décembre où j'apprends que je vais ouvrir les championnats du monde, je me suis dit que c'était une bonne occasion de prendre ma revanche et de rendre le mouvement obligatoire. Pierre, il m'appelle, puis il me dit est-ce que ce serait pas possible de dualiser une prise existante? Puis je lui dis si, on a une thermoformeuse, on peut faire des essais, on peut tirer du plastique fin par-dessus et puis voir ce que ça donne en les mettant, en les mettant sur un mur. Du coup, il est venu. Et puis on a essayé de trouver un peu les prises qu'il fallait pour pouvoir tirer dessus sans vraiment s'arrêter. En fait, on a pris des prises qui étaient quand même très bonnes. Et l'idée, c'était de choisir les prises les plus directionnelles et les meilleures possibles et de leur enlever le grain. Alors on a fait un petit choix de prise, on a tiré un petit film de plastique par-dessus. Et puis vu que c'était pas assez rigide pour utiliser que le plastique, on a laissé la prise dessous pour pouvoir grimper sur les prises. Il y a eu plusieurs étapes, mais on a mis au point une première version de ces prises lisses. Elles étaient noires et puis la texture était encore plus lisse que ce qui a été présenté ici. On a essayé de créer une idée de mouvement un peu vite fait. En sachant que ça allait pas être ça de toute façon. Ce choix de prise, on savait qu'on pouvait faire quelques moves à la suite qui peuvent marcher. Une fois que la sélection a été faite, il fallait que je trouve un plastique assez résistant pour le visser sur le mur. Là, en l'occurrence, on a pris du PET assez épais de 10 mm que j'ai après tirer par-dessus les prises qu'on a choisies. C'était des prises en duel aussi. Puis le plastique, il prend toutes les parties du grain, il les prend à l'intérieur. Et puis depuis l'extérieur, tu vois cet effet en fait entre grain et lisse. Et puis ça crée un truc un peu mystérieux.
manuel. Il a peaufiné le produit de son côté. Et puis on avait déjà réfléchi à une séquence de mouvements. Et du coup, je suis arrivé sur cette compétition avec une idée. Et puis un produit spécialement développé pour rendre cette idée possible. Au tout départ, j'étais pas forcément tout de suite emballé. C'était un questionnement pour moi de me dire qu'est-ce que ça va apporter et dans quelle mesure on peut se permettre de poser ça sur une finale de championnat du monde. En tant qu'ouvreur, on aime bien quand même jouer avec les limites et puis proposer de la nouveauté. Et donc moi, je me suis dit, bah, c'est parti, on joue, on va voir ce qui se passe. Ça a été un peu chaotique parce que je pense qu'on a dû passer 3h30 ou 4h le matin à imposer une première version où on allait vers la droite, on tombait sur une prise et on essayait de rebondir pour repartir à gauche. Puis finalement, en début d'après-midi, on s'est rendu compte qu'on n'y arriverait peut-être pas. Soit la prise était trop bonne, on s'arrêtait, soit on pouvait pas repartir. Ce mouvement-là, a priori, ça fonctionne pas. Gardons l'idée, gardons les prises. Mais on part sur juste un autre type de mouvement. Donc là, on est repassé sur un paddle, on va dire, unidirectionnel. On partit d'un côté et puis on ne change pas de direction. Et puis bon, là, ça a commencé à mieux fonctionner et on a réussi petit à petit à trouver le bon niveau, le bon dosage, parce que c'était cet enjeu de se dire, pas trop dur, mais en même temps, pas quelque chose sur lequel ils vont pouvoir s'arrêter, quoi. Est-ce que le risque dans ce bloc il est acceptable ou pas pour la compétition qui est pour ce championnat du monde? Un mouvement risqué, plus des nouvelles prises sur lesquelles on ne sait pas comment les athlètes vont réagir. Le projet, en fait, il était quand même super, super risqué. Avant les finales, on a regrimpé évidemment dans le bloc pour essayer de l'ajuster. On a eu un feeling comme quoi c'était quand même dur. Moi je sais, le mouvement, la version que j'avais faite, j'avais réussi à faire pendant le réglage, je la faisais plus du tout. Donc on l'a rendu plus facile, au risque qu'il puisse s'arrêter, mais bon, on s'est dit tant pis, il faut quand même que ce mouvement il soit fait. Tu sais tellement jamais ce qui va se passer qu'il y a toujours ce moment où, avant le début où tu te dis ah, peut-être tout est trop facile, peut-être tout est trop dur en fait, où t'es un peu perdu en fait. Et puis bah t'attends juste que ça parte et puis tu te dis on verra bien. Quand la finale elle commence, de toute façon maintenant c'est fini, on touchera plus à rien. Et avec le public qu'il y avait, la quantité de personnes qu'il y avait ici dans la salle pour la finale et tout, c'est là tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe quoi. Le public, je l'ai pas entendu. Chaque fois que je retourne en isolement, je fais le vide. J'essaye de penser à rien. Je suis léger. Allez, petit. Tu peux le faire.
J'ai fait beaucoup de sacrifices dans ma vie pour l'escalade. Et ce moment, il était particulier dans ma vie. J'avais envie d'être seul. C'est une sensation qu'on ne peut pas m'enlever. C'est un moment qu'on ne peut pas m'enlever. J'ai coché la case de la plus grande case de ma vie. Maintenant, c'est bon, je suis libre. Maintenant, je peux vivre heureux. Quand je pense à tout le temps que j'ai investi dans cette idée-là, je me dis que l'histoire, elle est incroyable. J'ai un sentiment d'accomplissement dans le sens où cette obsession que j'ai développée, elle arrive à terme. Du coup, j'ai l'impression d'arriver à la fin d'un cycle. Et donc, je me dis, bon, bah, voilà, Pierre, il est temps de passer à autre chose.